Bien. Bon, grosso modo, ils ont utilisé une bombe pour faire péter le truc et un antidote pour pouvoir passer, hein. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Des morceaux de conduit. Ok. Ce n'était pas une petite explosion. Mieux vaut prendre l'antidote avant d'aller plus loin. De plus en plus de... Alors, l'antidote à prendre, elle est où? Elle est... Bah là, normalement. Non. Elle est censée être dans mes potions, non? Attends, elle est là. Ah non. Voilà, elle est là. Ah non, elle est là. Elle est déjà dans mon inventaire. À respirer. Antidote contre les moisissures. Ah, encore pire qu'un élixir de sorceleur. Ok, on a des choses. Alors attends, parce que là en fait, ça continue, mais ici, il y a quoi? Il y a rien. Ah non, il y a rien. Ah, il y a des... Ok. Des noyeurs. Bien sûr. Oh la vache, par contre, ils sont beaucoup dans leur restreint, ça m'embête. Aïe. Ah là 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 là, je me fais déglinguer. Oh la vache. C'est un peu nimp. Ok. Bon bah voilà. Et là je peux choper ou parce qu'il y a que d'un... Ok. Juste d'un coffre principal entre guillemets. Ici c'est bloqué. Il y a un truc là. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Ok, on n'a pas une bague. Là aussi. Encore une babiole. Et ils ont perdu des trucs en route, quoi. La brute engagée par Dijkstra. Ouais. Un crétin. Soit dit en passant. Ça s'engouffre de l'autre côté. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Alors le croupi, il y a un monstre du coup. Et un sifflement, effectivement, on entend un sifflement. Ok. Je vois un qui clignote de particulier pour l'instant. Là. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu. Sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de Wyvern et le caramel. What the fuck? Inspecter le site du vol. Ok. On a des choses par là. On va les fouiller. Il y a peut-être des trucs précieux à récupérer comme le coffre de tout à l'heure avec des schémas et des trucs là. Ah mince, c'est verrouillé. Voilà qui est fort embêtant. Bien. C'est un peu problématique, c'est... C'est verrouillé ça, parce que du coup il doit y avoir un truc là-dedans, non? Ou pas? Ça marche avec le signe de hard? Oh, pas du tout. Hein. Bon. Oh non! Quoi? Je me suis tué avec cette chute là? Mais attends, j'avais combien de vie? Oh la blague! Je pensais vraiment que ça allait passer, que j'allais juste prendre un peu de dégâts. Je suis mort d'une chute de 1 mètre. Je suis un sorceleur et j'ai même pas été capable de sauter d'aussi haut. Attends, il m'est resté combien de vie? Oh cette blague! Je pensais réellement que ça allait passer. Mais attends, il devrait plus rien rester en fait.
C'est bizarre, pourtant j'étais full life. Non mais ça doit être bugué. Hein. Est-ce que d'être mort d'aussi bas? À mon avis, il doit y avoir une raison. Hein. Allez, le chargement. Le chargement toujours aussi long. Toujours aussi incroyable. Que j'apprécie toujours autant. Ah, oh, c'est pas possible. Non, mais d'être mort de ça, quoi. D'une chute que tu dis, bah, ça passe large, y a pas de problème, je suis un sorceleur, je suis bien entraîné. Ah non, je suis mort. What the fuck. Ok. Bah, tant pis, hein. Par contre, j'aimerais que le chargement se termine. En fait, c'est très long. Juste pour te préciser que c'est long. Allez. Vite, 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 vite. Oh là là. Et c'est des Red Project vraiment améliorer ne serait-ce que vos chargements. Dans Cyberpunk, c'est un peu long aussi. Ça va, mais c'est long. Et là, du coup, je me retrouve ici. Nickel, j'apprécie. Youpi, tralala l'air. Wouhou. Ah non, c'est bon, il a déjà tout fouillé. Tiens, là, il y a un truc que j'avais pas fait. Dijkstra n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jaskier. Il y a du vomi partout. Encore une doit avoir les agents qu'il a également ingéré l'antidote. Sinon, les noyeurs continueront d'affluer. Parvenir à l'assimiler. Comme l'autre type. Alors, normalement, il n'y avait rien d'autre à inspecter. On va juste retourner là-haut. Bah non, en vrai, non, on s'en tape, il n'y avait rien. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Une pièce d'or, tombée entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jaskier a dû charger le magot sur un bateau. Ah, il y a un coffre caché. Celle de course améliorée. Et là, du coup, maintenant... Où je retourne en arrière. Je pense qu'il faut que j'aie juste discuté avec l'autre là. L'autre neuneu. Hop. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand chose. Là, ça on avait déjà vu. Ça c'est toujours verrouillé. Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains douches semblent converger par ici. Inutile d'insister, retournons voir Dijkstra. Ok, j'avais juste oublié 2-3 éléments. Non, c'est pas là que je dois aller, c'est là. Ah ouais, purée la vache, c'est bien aménagé, mine de rien. Bien propre et tout. La vache. Petit passage secret dans les bains, là. Bon. Où est Dijkstra? Il doit être par là. Ah. Quoi? Ah, c'est là. Oh la vache, je reconnais pas les portes des murs. Ok, il doit être là. Oh, il doit y avoir des choses là-dedans à récupérer, non? Ah, je peux pas la récupérer. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? J'ai trouvé un deuxième cadavre, un des voleurs. Il avait vomi l'antidote, comme Fonce, ton ami. Jolie mort. Tu as trouvé quelque chose sur le corps? Juste une fiole, vide. On ne l'aurait pas abandonné s'il était important. Sans doute un simple porteur. Il ne nous aurait rien appris. Cette piste est aussi froide que lui. Des bribes de trésors sont tombées des coffres. La piste est facile à suivre. Tu sais, comme dans le conte avec les miettes. Je le connais. Hansel, Gretel.
Athènes, la sorcière qui crame. Très à propos à Novigrad. La piste conduit à la rivière où les goûts se déversent et s'arrêtent. Je gage qu'ils ont chargé le butin sur une barque. Oui, une charrette tirée par des rats semble peu plausible. Et comme un bateau ne laisse pas de traces, on l'a dans l'os. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyverne et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Barthes, gros boum. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Appen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment ? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Beugle en cas de trouvaille. Ok. Il faut inspecter les bains, pas celui où je suis parti, ceux-là qui sont là-bas. Il n'y a rien ici. C'est pas celui-ci. Ça va être celui-là. Hein. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Ah, il a pas fait les bons gestes, mais on a compris. Ah là. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Dijkstra, par ici. Ok, on a trouvé du coup le bassin. Un indice? Un fragment de la bombe. À peine! Purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute! Au fait, ton sous-fifre là, à peine, il a pu t'entendre parler de la chambre forte et il a libre accès au bassin. À peine a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leurs sbires. Philippa Elhart avait elle aussi ta confiance. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Kovir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation? Ça signifie que la bombe est passée par là. Appen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweig, brasseur. Le margrave Henkel? Henkel? C'est impossible. Qui est ce margrave Henkel? Qui était-ce? Serait plus juste.
Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. C'est une bête, ça. C'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Revel. Aucun doute. Tu lui as parlé? Tu l'as examiné de près? Non. Il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Geralt, penche-toi sur la question. Très bien. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelqu'un d'indice concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Niveau 16, oh yeah. Points disponibles, on a 3 mine de rien, on va essayer de les caler maintenant. Personnage. On a la possibilité de mettre un nouveau mutagène. Un vert du coup. Hein. Vitalité 100. Et ce serait cool de mettre un autre truc de potion. Augmente de 75 à 80 le seuil de surdosurée de l'effet de la potion plus 5%. Lorsque vous visez. Non, mais ça, chez les baumes, en vrai, je ne vais jamais les faire. Intoxication maximum. Ou alors on met quelques points là-dedans. Ou alors on met un là-dedans. Histoire de plus être un peu hop, ma vitalité. Et après je les mets là-dedans. Et là on a débloqué du coup la nouvelle ligne. Augmente de 2% la chance d'infliger des coups critiques avec des attaques rapides. Et de 15% les dégâts de ces coups critiques. Gain de points d'adrénaline 1%. Augmente de 2% les chances de coups critiques et 1% les dégâts critiques de vos attaques puissantes. Gain d'adrénaline plus 1%. Lorsque vous esquivez, vous subissez 20% de dégâts en moins, même si vous êtes touché. Chaque attaque réussie à l'arbalète, donc ça non, je joue pas trop à l'arbalète. Lorsque votre vitalité tombe à 0, vos points d'adrénaline sont utilisés immédiatement pour reconstituer sa vitalité. La vitalité que vous récupérez dépend du nombre de points d'adrénaline utilisés. Ok. Bon, il faudra voir ça aussi de plus près. Oups. Alors... On va du coup continuer cette quête là. Rendez-vous chez le marchand Henkel. Qui est à une centaine de pas. Est-ce que il y a moyen de se TP pour être plus proche ou pas? Sinon c'est pas grave. Ouais, il y a là. Et on va aller voir du coup. Alors, il y avait la quête avec le petit bâtard à retrouver. Et on a cette quête là. Bon, moi je fais la quête dans la suite de ce qu'il nous est donné. C'est-à-dire qu'on a entamé la conversation pour faire ça. Donc autant le faire avant d'aller voir le petit bâtard. Enfin, de le trouver, en tout cas, d'essayer de le chercher. Tiens, j'ai des pièces à convertir. Pourquoi je suis en point de vue tout qui brille? En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin d'argent. Je souhaiterais contracter un prêt. Bien sûr. Ah ouais, pour faire un prêt? C'est tout? Dame Yennefer de Wengerberg... C'est portée garante pour vous, il y a belle lurette, au cas où la situation se présenterait. Par ailleurs, nous excellons dans l'art de recouvrer nos créances. Venez, venez tous! En quoi puis-je vous... D'accord. En fait, c'était pas ça que... Je souhaite rembourser. Excellent! Comment? Vraiment? Bien. On peut faire un prêt du coup. Un de ces jours. Venez, venez tous. Mais je voulais donner mes flancs, mais finalement ils les avaient appris. Pourtant je les avais donnés ici, c'est bizarre. Bon, on verra plus tard.
Ou j'en ai peut-être plus assez. Quel taudis. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiants qu'à la demeure d'un margrave. Jaskier s'est fait des amis intéressants. Ok. Ouais, c'est fermé là aussi, quoi. Du coup, ce qui veut dire que... Ah ok, d'accord, je me suis fait insulter gratuitement. Quel phénomène sont-ils ? Alors... Des traces de pas. Ok, on va fouiller un peu la baraque. Même si ça m'a pas l'air... Un cylindre en argent. Le fond ressemble à celui de l'égout. Ah. C'est-à-dire que le traître se trouve ici. Ou était ici en tout cas. Ah, des livres. Bon, on va pas tout fouiller. On va continuer à monter, on va voir. Une lettre et une bouteille. Le vin de ton année de naissance, il est absolument délicieux. Quel bouquet, il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Donc il y a une porte dérobée, mais avant, on va voir, là il y a un truc ici. Ton année de naissance pourrait être celle de Jaskier ou de Ciri, 1245 à 1254. Quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. Ah, c'est pour ouvrir le mur. D'accord. Avec un truc dérobé. Une pièce secrète. C'est probablement ici que Jaskier et ses complices ont échafaudé leur wyverne. Une tache. De l'huile de wyverne. Ciri. Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jaskier. Tu dois fuir. Départ. C'est mauvais, ça. Ok. Alors, examinez. Du sucre. Les résidus d'une substance baignant dans l'huile de wyverne, ce serait du potassium. La bombe a été faite ici, le mode d'emploi pour faire une bombe, par un certain Kaltstein. Le mode d'emploi pour faire une bombe, par un certain Kaltstein. Ok, donc c'est ici qu'ils ont procédé à faire la bombe. Allez voir ce qui se passe au rez-de-chaussée. Dijkstra et Triss. Tiens. Je ne m'attendais pas à te voir ici, encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Triss, tu en meurs d'envie? Non, je fais ça pour l'argent. Ah, Mary Gold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? Et toi? Dis-moi d'abord ce que tu fais ici. Il était convenu que je te retrouve quand j'aurai du solide. En effet. Mais je m'inquiétais pour toi. Je suis passé voir si tout allait bien. Foutaise, tu n'as pas confiance. J'ai autant confiance en toi que toi en moi. C'est-à-dire pas du tout. C'est extrêmement sain, crois-moi. Messieurs, quel insigne privilège d'assister à votre débat d'idées. Mais tâchez de vous rappeler que je mets ma vie en jeu chaque fois que je mets le nez dehors, ce que je viens de faire pour vous retrouver ici. Pourrions-nous en venir au fait? C'était inutile de déranger Triss, ou d'examiner la bombe. Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng.
Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris ? Je suis très curieux. Henkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper aux créanciers. Étrange. Je ne le savais pas endetté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment ? Foutaise. Ça, c'est chercher dit. À m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Très bien, j'ai menti, partiellement. J'ai entendu parler de monstres mi-lion mi-aigle, de donzelles mi-poisson. Mais tu ne me feras pas avaler le coup de la demi-vérité. Laisse-moi tenter ma chance. Je n'ai pas vu Henkel, mais Meng a réellement ton magot. Tu tiens ça de ta boule de cristal, j'imagine. Peut-être. Secret professionnel. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... Bast, il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent receler une part de vérité. Tu n'es pas assez finaud pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sou vaillant en poche. Et maintenant ? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans ? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher, ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. En d'autres termes, tu te sers de nous. Me servir de vous ? Jamais ! Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tourtereaux, je file. Bonne chance. Je pensais que tu allais réagir. Dire que nous... Tu sais. Tu aurais pu le faire toi-même ? C'est vrai. Mais c'est difficile à dire, non ? Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas ? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorcières. Entendu. À bientôt. Et merci. Ok. Bon. On va retrouver Triss à minuit. Eh hey, vous. Oui, vous. Pourquoi cette épée devant moi ? Pas plein les bottes de cette flotte. Ok, on va y aller. Alors, du coup, il y a aussi le truc avec le petit bâtard, mais Attends. Moi, ils sont découpés les quatre, là. Ok. Bon, en fait, ça, c'est vraiment une autre quête, j'ai l'impression, parallèle, bon. Est-ce que je le ferai pas, quand même, cette quête-là, avant ? Je sais pas. Je me tâte en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt la quête principale l'autre. Attends. Ouais. Et ça, j'ai plutôt l'impression que c'est entre guillemets secondaire. Enfin, les deux sont principales, mais je sais pas si c'est important de vouloir faire les deux ou pas. Non, bah vas-y. On va continuer quand même la quête autour de du trésor du comte de Reven. Le client avisé verra tout de suite que je propose une meilleure affaire.
Ouais, mais le comte de Reven, il va nous aider à trouver Jasquet finalement, à la fin. Attends, je regarde un truc par rapport à ce qu'il dit sur Internet. Genre, c'est grave, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier en fait. Est-ce que c'est mieux d'en faire l'un ou faire l'autre? Laquelle termine vraiment. Enfin, débouche sur la quête principale et l'autre non? Parce que laquelle se termine en première en fait? Est-ce que celle-ci, une fois qu'on l'a fini, il faudra faire l'autre pour continuer vraiment le truc ou pas? On va regarder. Là, ils font le compte de Reven en premier. Ok. Bon. Là, ils disent de faire le... Ensuite. Ouais. Non, ils recommandent quand même de faire... Enfin, ils parlent d'abord du compte de Reven plutôt que de l'autre. Donc, du coup, je pense qu'on va d'abord le faire. Je vais juste regarder un truc, ok. Bon. On va faire ça. On va attendre Triss du coup dans l'hôtel. On va d'abord faire cette quête là avant de continuer l'autre. Hop, il faut attendre à minuit. Eh bien attendons à minuit. Hop là. Contente de te voir. Alors, qu'est-ce que me dites beau? C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes. Oh là là, ça va être le bordel, ça. Ça a terminé, ça va swinguer dans tous les sens. Ne donnera rien. Ah d'accord. Bengor aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Ah d'accord, on veut pas qu'on monte de force. Prends ces menottes et passe-les-moi. Mm-hmm. Elle veut se jouer, ok, d'accord. Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête? Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes, ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question, ah oui. Trop risqué. La vie de Jasquier est en jeu, et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Ouais, d'accord, on veut faire un... De faire une sorte de sacrifice. Tu tiens qu'on puisse passer. À te jeter dans la gueule du loup, menotté de surcroît. Oui. Non, je m'y refuse. Ta sollicitude me touche, mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Bon, bah ça va se jouer à coup de menottes. Qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jasquier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer, la mort ne l'effraie pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge. Ou mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Ouais. Tu trouveras bien. Gros, en fait, elle veut pas qu'on se la joue... grosse baston, elle veut qu'on se la joue discret. Moi, j'aime moyen, mais ok. Ouais. Attends, je tiens à te remercier. Allons, tout le monde agirait de même. Non, pas tout le monde. Assez. Rougir si est mal à une magicienne. Ok. Et pour le magot? Si on apprend quelque chose, tant mieux. Sinon... Je croyais que tu avais besoin de l'or de Dijkstra pour aider tes pères. C'est vrai. Mais l'or s'obtient par mille moyens. Là n'est pas le plus urgent. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Gérald, souviens-toi que je sais mieux. Ok. Bon. Est-ce que tu me chantes? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ouais, c'est ça le problème, hein. Parce qu'elle apprend cher, elle. Hein. C'est elle qui importe. On se sacrifie. Qu'est-ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne? Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord?
D'accord. Ok. Bon. On va essayer de la jouer le plus cool possible, entre guillemets. Mais à mon avis, il risque de prendre très cher Triss. Parce qu'une fois entre leurs mains... Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez. Entrez. Sauf que le cas, il est déjà heureux. Ok. Le petit s'est mis le truc sur le pif, là, il s'est pris pour qui? Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières? C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance, ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Ah ! Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Aïe, 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 aïe. Mais il faudra qu'on aille la sauver après, hein. Non, bah du coup, on va suivre le plan. Vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi fumier! Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Ok, on va continuer. Attendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Elhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale... Ferme-la, la catin rouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Elhart? J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que j'ai tellement envie de les défoncer. Avec mon ami Meng. Oh, il m'énerve. D'accord. J'ai envie de sortir mon épée. Sans me lâcher d'une semelle. Mais bon. Pas le choix, c'est le plan. Nous devons faire comme cela. Enfin, je pense qu'il y avait moyen, parce que plusieurs fois on aurait pu les provoquer. Donc je pense qu'il y avait moyen de foutre le bordel et de tous les massacrer, mais je préfère jouer sur le plan. On va voir ce que ça va donner. Le feu éternel consumera tout. Ouvre un peu les yeux. Alors. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles, ça te rendra bavarde. Nickel. Tant qu'il le faut avec un coupon, ça fait pas trop mal, hein. Très bien, mené là, pas d'ordure, je me claque de tout ce cirque. Ouais, mais d'accord, pas de torture, ça va faire bizarre si on dit ça. Fais ce que tu veux. Moi, ouais, j'ai peur qu'après ça... Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. Moi, ouais, j'aurais peut-être pu négocier pour pas qu'il la torture. Mais j'ai peur que ça finisse mal. J'ai peur que ça finisse très mal. Ah, mais c'est pas un truc... On n'a pas vu un truc comme ça, à un moment donné? Je sais plus. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa Elhart, ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'ongle du petit doigt. Non, l'annulaire d'abord. Oh non. Le petit cochon va au marché. Aïe aïe aïe. Mais pas si facile de nous livrer, Triss. Aïe aïe aïe. C'est elle qui a l'occasion de se faire arracher un doigt là. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Oh là là là, j'ai tellement envie de me le faire, de lui défoncer sa tronche. Lui et tous ses camarades. Bois un verre, sorceleur. Oh là là. Horrible. Envie de massacre est très forte.
Je ne tolérerai pas qu'on torture Triss. Mais ça va faire bizarre si on dit ça. Pourquoi pas, je ne suis pas d'humeur. Ouais, mais s'il empoisonnait tout. Du Sidarien. Cuvée 1261, l'année du massacre de Sintra. Parfait. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Ah, j'aurais peut-être dit de l'effet. Ah là là, on est en train de prendre trop cher. Va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Marigold. A-t-elle envie d'autre chose? Le fer rouge, peut-être? Non, on va avoir une de ses dettes envers elle. Cette coupe-là, c'est de l'argent? Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent gobelet. Je n'ai pas encore été payé pour une sorcière que vos hommes torturent déjà. Et alors? Vous abîmez une marchandise pas encore achetée. Ce petit cochon a la chair toute rose. Autour de ce petit cochon-là. Ne t'inquiète pas, tu ne partiras pas les mains vides. Tu toucheras le double de la prime habituelle pour Marigold. Quelle générosité! En quel honneur! Eh bien, tu nous livres ta bien-aimée. Le traumatisme émotionnel que cela implique mérite compensation. Quel enfoiré! Alors là, un sorceleur est prêt à tout pour de l'argent. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je déclenche un cataclysme bordélique mondial, sachant qu'on a déjà amené Triss et qu'elle est déjà en train de se faire torturer? Ou... attends, un sorceleur est prêt à tout pour de l'argent. Je ne vois pas de quoi vous parler. Triss est la première à trahir. Elle m'a déjà mis sur 3. Vous semblez bien informé. Vous devez donc savoir que c'est Triss qui m'a trahi la première. Elle s'est servie de moi au sein de la loge. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Courage, chérie. Plus qu'un ongle et on passe à l'autre main. Un tout petit cochon. Ah, la chienne m'a mordu. Elle mord la gueuse. Passons-lui un collier en diméritium. Et on ne gagne pas d'infos là, parce que là c'est... Surprends, Gérald. Nous pourrions nous entendre en fin de compte. Ainsi, tu as des informations concernant Philippa. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas gratuites. Que veux-tu en échange? C'est très simple. Libérez Jasquier. Un barde dégénéré contre un tuyau sur Philippa. L'offre est alléchante, j'avoue. Mais c'est non. Vois-tu, une superbe exécution attend Jasquier à Oxenfurt. Roux, flagellation. Le grand jeu, en somme. Un spectacle édifiant pour la jeunesse estudiantine. Il serait fâcheux de la décevoir. Et quand ce spectacle édifiant doit-il avoir lieu? Quand j'en donnerai l'ordre, en personne. D'ici là, Jasquier demeurera dans les geôles, sous l'île du Temple. Désolé de n'être d'aucun secours. Un autre terrain d'entente, peut-être? Mais d'abord, allons nous enquérir de la Marigold. C'est étrangement calme à côté. Viens. Ils ont tous défoncé? Ou alors... Ah bah non. Ils ont... Yes. Bon bah ça va finalement, on s'en sort bien. Enfin c'est quand même fait arracher tous les ongles d'une main à mon avis. Ah ouais. Ah là 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 la main. Ah la main. Il a dit où se trouve Jasquier. Oui mais... Mais il n'y a pas de mais. Ah elle en rêvait. Je comprends. En vrai je comprends. Surtout qu'elle vient de se faire arracher tous les ongles de la main là.
J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Occupons-nous de tes blessures. Inutile. Tout va bien. Enfin, presque. Ce sera probablement guéri pour le jour de mon mariage. Désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Ne t'excuse pas. Je savais à quoi je m'exposais. Comment dire ça? C'était un peu prématuré. Que veux-tu dire? Meng m'a dit que Jaskier est bouclé dans un cachot sous l'île du Temple, qu'il comptait le faire exécuter à Oxenfurt, et qu'on ne sortirait Jaskier de sa cellule que sur ordre direct de ce même Meng. Merde. Désolé, Geralt. J'aurais dû réfléchir, mais quand je l'ai vu, j'ai... Ouais. Après ce qu'ils t'ont fait subir, tu n'as pas à t'expliquer. Bah c'est ça en fait, le problème, c'est qu'il rêvait déjà de le tuer. J'ai accepté de nous aider, même si j'avais... Je sais. Inutile d'y revenir. Pensons plutôt à la suite. Jaskier est sauf. Hors de portée, mais sauf. Aucune chance de le faire évader, l'île du Temple est imprenable. Quant à Caleb Meng, il n'ordonnera plus le transfert de quiconque. Effectivement. Fouillons son cadavre. Entendu. On peut trouver quelque chose d'utile. Ah la vache, j'ai mal à ça. J'ai mal pour elle là, quand je vois sa main en sang. Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens. Donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Tu peux le ranimer? Je pourrais, si je pratiquais la magie noire. Jusqu'ici, je ne suis pas tombée si bas. Ça me paraît évident. J'ai vu Meng brûler une feuille de papier, juste avant qu'on vienne ici. Cette feuille nous aurait peut-être aidés. Tant pis, c'est trop tard. Il n'y a donc aucun moyen de la récupérer? Hélas, non. Je suis magicienne, pas faiseuse de miracles. Impasse sur impasse. Il va falloir faire avec. Faire sortir Jaskier commence à ressembler à notre dernière option. Geralt, tu me connais. J'ai toujours une solution. J'ai horreur de l'échec. Mais là, je suis vraiment à court. Personne ne s'est jamais évadé des geôles sous le temple. Et impossible d'y entrer par effraction. Est-ce qu'on a au moins essayé? Oui, Geralt. J'ai tenté le coup, pour être exact. Peu de temps avant ton arrivée, et ça a bien failli me coûter la vie. Seul Meng aurait pu donner l'ordre de libérer Jaskier. Oui. Quoiqu'un sosie parfait ferait bien l'affaire. Un Doppler? Ton vieil ami, Doudou Biberveld, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jaskier, il était plus vrai que nature, à tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet. Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être un peu plus. Croisons les doigts. Écoute, je voulais te parler de quelque chose, mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand t'auras un moment? En attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Ok. Bon, il a eu ce qu'il méritait, hein. Le trésor de Contre-Noun. Falcata, il sortait discrètement de l'avant-poste des chasseurs de sorcières. Trouver une issue de l'avant-poste. Ok. Sortir discrètement ou foutre le bordel, c'est ça l'option? Vous savez que c'est tentant de foutre le bordel, hein. Moi, j'ai très envie. Est-ce qu'on a des choses? Non. Y'a que dalle. Bon, on va monter là-haut vite fait, si on peut. Ah non, c'est pas une échelle. N'importe quoi. Ah non, c'est un truc de torture. Soit je trouve une autre issue, soit je dégaine. Geralt, par ici. Ah oui, d'accord. Alors, on va éviter de dégainer, on va essayer de sortir discrètement.
sombre, même si en vrai, ça peut être marrant, quoi. Vas-y, hein. Sortons discrètement. De ce bazar. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Ah, c'est marrant, ça. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Je peux comprendre. Vas-y, je veux voir ça. Ah non. Le choix. Ah ouais. MDR. Comment est-ce qu'on va faire pour se barrer? Par là, hein. C'est trop stylé les boules de feu qu'elle lance. Je sens que ça l'éclate là, elle est à fond. Ça devrait faire l'affaire. Je file. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. A bientôt, Triss. C'est vrai qu'elle se téléporte aussi. Ça, c'est stylé. Dommage que lui puisse pas le faire parce qu'il aime pas là. Racontez à Dijkstra ce que vous avez découvert. Là, je peux péter un mur. Non, on va garder ça, le hard. Hé, toi! Monsieur Reven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Ok. Mais qui voilà? Serait-ce Geralt de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots. Des mots durs. Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Il y a que dalle dans sa main. C'est une arnaque. Qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Geralt, donne la clé. Ne mens pas. Tu l'as mangée, c'est ça? Tu n'as rien à ajouter. Pas de perfidie, aucun trait d'esprit. Tu veux en entendre une bonne? Entendu. Pareil. Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Geralt. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui. Tu y survivras. Et maintenant... Réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. Inutile de te fatiguer. Je sais ce qui est arrivé à Jaskier. Dans ce cas, accepte mon argent. Je paye toujours mes dettes. Même aux menteurs. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. Ok, bon. Eh bien, ça c'est fait. On doit aller parler à Priscilla. Alors, il y avait aussi la quête avec le petit bâtard à faire. Mais j'ai pas l'impression que ça se croise à un moment donné. Ouais. Ouais. On va essayer de continuer un peu celle-ci avant d'aller parler à Priscilla. C'est hyper loin, 400 pas. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? On va essayer d'aller se TP. Alors attends, ils sont où les points? Ils sont là. La vache. La blague, j'ai pas de point de TP à côté. Bon, on va aller là. Bon, on sait que Jaskier est enfermé. Et qu'il devait aller à la potence. Mais que du coup, l'autre, on l'a refroidi sur 6 générations. Donc à mon avis, je sais pas comment ça va se passer, mais il va falloir l'aider à un moment donné. Il va falloir le sauver, le Jaskier. Surtout si on va avoir des infos sur Ciri.
Une question de vie ou de mort. Nouvelle quête, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la suite? Ah non, c'est une quête secondaire. Question de vie ou de mort. Trouver Triss Merigold à sa planque. Ah d'accord, on a une quête avec Triss. Ok, bon. Trop de quêtes, tu les quêtes. Pour l'instant, on va d'abord aller faire ça, parce que là, j'ai cette quête-là aussi. Je sais pas quand est-ce qu'elle se termine. Je sais pas à quel moment ça se rejoint exactement. Laquelle se termine là plus tôt. Donc avant de continuer, on va aller faire celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? C'est pas là, j'ai loupé l'entrée. Je suis un demeuré, ici. Bonsoir. Je peux leur parler? Ah oui. Ah, vous êtes l'ami de Reven, c'est bien ça? J'ai entendu parler de vous. Ok. C'est vous le chef ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Eh ben nickel. Il me paraît amical ce mec-là. Ah, bienvenue au club, l'ami. Le petit bâtard est très populaire en ce moment. Mais vous fatiguez pas à chercher. Vous le trouverez pas dans le coin. Eh ben parfait. Vous savez où je peux le trouver? Non. Nickel. C'est qui nous aide celui-ci? Parler de ma morte. Ouais, on s'est un peu emporté. On s'est pointé ici pour demander poliment au petit bâtard de nous suivre avec sa clique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces hommes n'ont pas franchement le sens de l'hospitalité. Bon bah parfait. Ils ont juste tué le bordel et créé un massacre. Tiens à l'œil. Un beau massacre d'ailleurs. Une belle peinture. On peut trouver les mêmes au Louvre. Alors, examinez. Ils ont fait le ménage. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Je crois bien avoir déjà entendu parler de vous, Grison. Est-ce que lui nous dit quelque chose? Non. Fouiller le repère. On va fouiller. Je pense pas qu'il y ait de choses là-dedans non plus. Je vois pas de. Non, mais à mon avis, là dans le. Attends, il y a un étage. Ah oui, il y a un étage. Peut-être là-haut, on va peut-être avoir d'autres choses. Ah, on a quelque chose ici. Alors, dis-moi tout. Rien d'intéressant ici. Olé. Bon, bah d'accord, super. Il n'y a que dalle. C'est l'arnaque ici. Non, ça c'est du sang. Ici. Les examiner. Le ménage, cet endroit a été nettoyé. Non, rien laissé derrière eux. Là. Oula, oula, parle pas en même temps. Ok, bon, ils ont juste tué tout le monde. Et il n'y a que dalle. Ah oui, même là-haut, waouh. Joli massacre. Ok. Y a pas de coffre intéressant à choper là? Ouais, non, y a rien. Vois dans le noir et t'es costaud. J'ai pas le temps là. J'avais rien de mieux bon. À faire. On va se casser, on va aller à l'arène. On va aller voir un peu ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut y trouver. Alors. Dis-moi tout. L'arène du petit bâtard. Mais alors là, mais... Ouais. Attends, c'est où? C'est à 220. Mais attends, je peux peut-être... Ah bah non. Non, bah non, parce que dans tous les cas, en fait, ça reste... Ouais, si, on peut quand même se TP. Bon, ça me fait gratter quelques pas, mais en vrai, le temps du chargement, je sais même pas si ça va le coup. Ah, c'est ça. Ça va, en vrai, ça va assez vite. Hop. Allez, 148 pas, on y va. J'ai pas de point de TP là-bas. C'est une blague. Il faudrait donc que j'en chope un, s'il y en a un. Sinon, bah, j'ai juste le somme. Nous avons franchi la Yara. Alors dis-moi tout, ça devrait être pas là, quoi? Ah d'accord. Là il y avait des murs. On va aller par là. Ok, on suit les petits pointillés, hop. Oh ça passe, j'ai eu peur. On va voir ce qu'on peut trouver là-bas. Dis-moi tout. Alors, bonsoir. Bonjour. Je vous connais pas. Restez pas planté là, attirez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ces clowns? Nécessite la persuasion 2. Écoutez-moi, non, ça je peux pas payer. Laissez-moi entrer sinon je vous tue. Vas-y, on va les payer. De toute façon, j'ai la masse de thunes. Ça, c'est pas trop. Comment ça? Je sais me montrer généreux. Ah, tenez. J'aurais bien créé un massacre. Ça fait longtemps que je ne suis pas battu de façon violente et inconvue. Gère les combats. Igor,
Igor. Allez, on y va. Allons droit vers les enfers. L'arène. Journée de baston, là, ça fait longtemps que je me suis pas battu. Ce sera bientôt votre tour. Je peux pas me battre là ? Non. Bon. Tu sens l'endroit bien réputé là ? Tu sens que c'est le bon endroit pour prendre un petit chocolat chaud, café, biscuit, tout ce qu'il faut ? Ils m'ont l'air très amical ces gens. Ah, puis alors lui là. Avec son chien. Il a la tête du parfait connard quand même. Hein. Et vous savez faire quoi ? Je me débrouille assez bien avec une épée. Je pourrais faire office de garde du corps. Vraiment ? Garde du corps de qui ? Le petit bâtard a de nombreux ennemis. C'est bien connu. Je pourrais lui être très utile. Ne vous en faites pas pour lui. Il sait se débrouiller tout seul. Mais comment savez-vous que cet endroit lui appartient ? Je le sais. C'est tout. Un bon conseil. Si vous tenez à la vie, oubliez ce que vous avez entendu sur le bâtard. Je ne suis pas votre larbin. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Et encore moins de conseils. T'es peut-être pas mon larbin, mais personne me parle sur ce ton. Bon bah voilà. Tuez-le. Ça y est, on se bat enfin là. Je vais te découper en trois. Allez, la baston, la baston. Le chien de garde, hop, il n'y en a plus. Regarde, hop, un coup de vent et vous êtes plus là. Oh la vache, j'adore les faire voler. Tiens, toi tu crèves sur 6 générations. Toi aussi, aïe. Hop. Bam. Rends-lui avec son bouclier, le garde là il m'énerve. Aïe. Allez, toi là. Petit coup de vent. Ah mais zut, passe derrière. J'arrive pas à passer derrière lui. Vas-y, viens là. Viens là. Viens là. Hop, je te souffle. Et j'arrive pas à te démonter, ça m'énerve. Alors attends, c'est ce que là je vais me bloquer. Bon les sbires ils sont vraiment nulissimes hein. Là c'est surtout lui qui me prend la tête avec son bouclier parce qu'il faut que je passe derrière, voilà comme ça. Son bouclier il pète jamais en fait. Ok. Ok, normalement c'est bon. Démembrement bien comme il faut. Et là je vois que ça clignote. Il y a encore du monde. J'ai pris un truc qu'il fallait pas. Il me soignait. Devrait fouiller le repère. Bah ouais. Moi c'est ce que je veux faire déjà depuis un moment, mais tu m'obliges à me battre alors qu'il n'y a plus personne. Sois logique, Gérald. Tu deviens fou. Une clé. Une clé. Ok. Pourquoi il veut se battre à chaque fois là ? Il y avait encore du monde ou quoi ? Ah oui, d'accord là. Aïe. Oh les chacals là. Tiens. Oh, faut pas m'insulter comme ça toi hein. Ok. Hop, coup de vent. Et ça dégage. Pas. Ça dégage pas, il m'énerve. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est bon? Oui c'est bon. On va aller choper ce qu'il y a ici. Oh là, oh là, oh là, calme-toi. Message Igor. Ok. Blablabla. 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 Ok. Et ici, lettre doudou. Ah oui, non, mais alors la nuit est son nom. Je suis pas revenu, mais. Le nom de ce gars-là, doudou. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Comment t'en arrives à t'appeler comme ça? C'est dingue. Bon, bah, du coup, c'est nickel. On a foutu le bordel. On va terminer ces gars-là. Ça sert à rien, du coup, finalement, de payer. J'aurais dû ouvrir le bal dès le début. Ok. Bon bah voilà.
Alors, il nous reste... lisez les documents que vous avez trouvés. Ah, d'accord. Il les a pas lus ? Attends. Livre. Ouais, mais là... Là, il y en a pas mal à lire. C'est lequel ? Il y a beaucoup trop de choses. Oh non, j'ai Je sais pas. Je sais pas de quoi il me parle exactement, c'est pas grave. Pourtant, je croyais les avoir lus, mais finalement, non. On va continuer par là. Enquête, lisez les documents que vous avez trouvés. Ah, ça se trouve, il y a un truc à trouver sur le document. Comme j'ai pas lu, je suis heureux. Les gens d'ici, pas plus d'hygiène raciale que d'hygiène tout. Je crois qu'il m'oblige à lire parce que du coup, je comprends pas. C'était ça, non ? En plus, j'en ai aucune idée de ce que c'était, quoi. Attends, c'était mes messages à Igor. Où que c'est ? Attends, mais... Messages à Igor. Vu qu'il y a eu récemment des malentendus à propos des objets de valeur et que du sang était versé... Le couloir qui conduit au niveau supérieur de l'arène. Ah oui, effectivement, il fallait lire. C'était quand même assez intéressant. Alors attends, il y a un truc du coup à trouver avec la fameuse clé. On va aller checker là-bas. Alors. Attends, il a dit c'est par là, je crois. Non, attends. Ah non, attends, non, c'est pas là. C'est pas à l'intérieur. C'est pas... Attends, c'est... pas dans l'arène, là. Si, attends, c'est dans l'arène. Attends. On peut y rentrer, non? Ah non, je peux peut-être pas y rentrer. Attends, je ne comprends pas ce que je suis censé trouver. Livre. D'habitude, ça m'indique toujours à peu près où est-ce qu'il faut que j'aille. Et là... tout l'argent est à l'abri dans le coffre. Ok, suivez... Alors, attends. Cherchez... ouais, c'est ça, l'abruti qui pensait qu'il avait disparu, cherché au mauvais endroit. Suivez le couloir qui conduit du niveau supérieur de l'arène. Putain, il y a un problème de français là. Suivez le couloir qui conduit du niveau au niveau supérieur de l'arène. Tournez votre dos à la grille et regardez le mur en face de vous. Bah, j'ai pas compris, hein. Véritablement. Tournez votre dos à la grille. Alors, est-ce que ça serait pas au-dessus dans la ruelle? Mais ça me paraît bizarre. Parce que la zone pour fouiller, elle est plus loin. Ça aussi qui me perturbe en fait, c'est. Pour moi, c'est ici, mais lui, il m'affiche à l'extérieur. Enfin, il m'affiche loin à l'extérieur. Voilà, ici. Pas de pitié pour les mouchards.